je m'appelle Christine Desmarais, je suis la responsable pédagogique du site INSP de Villeneuve-d'Ascq. Donc c'est un grand site qui accueille jusqu'à 1200-1300 étudiants au plus fort de ses effectifs, lequel se trouve à proximité de toutes sortes d'espaces que vous connaissez sans doute sur Villeneuve-d'Ascq, le Grand Stade, les lacs et parcs du Héron et d'autres lieux très très connus du secteur. Nous sommes un site qui accueille diverses formations, notamment la formation professorat des écoles. Dans ce site, vous allez trouver bien évidemment des salles de classe, mais aussi des espaces de pratique sportive, un mini-lab que vous aurez l'occasion de découvrir au travers des images qui vous sont proposées, des salles de sciences, des salles informatiques, une salle que nous appelons la salle Cocoon, qui propose un environnement numérique adapté à l'enseignement, des espaces verts, assez agréables, je dois dire, sur le site, et dont certains vont faire l'objet d'un développement en termes de projets de type permaculture, serre et autres projets verts auxquels nous tenons beaucoup. Pour ce qui concerne nos efforts pour assurer le bien-être de nos étudiants dans le site, nous essayons déjà de développer un lieu de vie agréable. Pour cela, nous travaillons depuis plusieurs années sur les espaces. Nous essayons de travailler sur les modalités de couleurs, notamment d'aménagement, aussi bien en termes de mobilier que d'installation générale. Nous proposons quelques dispositifs un peu originaux, comme des vélos bureaux. Nous avons aussi bien évidemment des espaces de pratique sportive que nous utilisons pour des ateliers de pratique, de pilates, de badminton, de tennis de table et autres pratiques physiques et sportives. Nous développons également des ateliers de chorale ou de pratique instrumentale qui sont encadrés par un de nos enseignants formateurs de musique. Et nous avons l'intention, en tous les cas, de développer des projets qui seront menés à leur terme par la commission de vie étudiante et qui comprendra toutes sortes d'organisations, depuis peut-être des concerts, des animations, des compétitions sportives. Tout cela est à l'étude et en développement. C'est un grand site qui accueille énormément d'étudiants. Nous avons à cœur d'écouter chacun d'entre eux. Nous avons à cœur de les accueillir à tout moment, de répondre à toutes leurs questions, toutes leurs sollicitations. C'est une préoccupation qui est, je pense, commune à tous, les formateurs comme l'équipe de pilotage et l'équipe administrative. Et c'est quelque chose qui, je crois, nous caractérise. Et nous visons également une qualité d'écoute qui permet à chacun de se trouver dans ce site aussi bien que possible.